Syrie, les Parthes viennent de remporter une victoire décisive sur les armées romaines. Ils décident du sort des vaincus. Ainsi, une légion romaine composée de redoutables mercenaires gaulois doit retourner en Gaule. Chacun d'eux reçoit des Parthes de précieux objets en or, mais c'est pour mieux les chasser. Un long voyage de retour commence. Les problèmes se multiplient cependant, et Iorus et Hortalus, les deux valeureux chefs de guerre, abandonnent le commandement. Nommé par Rome, c'est Talix qui devient leur nouveau chef. En sauvant Valérus, celui-ci devient son écuyer, et Alix se lie d'amitié avec la belle Ariella. Mais Iorus, qui est secrètement amoureux de la jeune fille, en est si jaloux qu'il perd peu à peu le sens des réalités, devenant plus arrogant, plus autoritaire, plus insensé. L'hostilité entre les deux hommes ne fait que grandir. Mais des Romains convoitant le trésor ont pactisé avec les barbares. Les Gaulois repoussent le terrible assaut. Hortalus, l'ami le plus cher d'Iorus, y laisse la vie. Alix et Iorus redeviennent amis dans la tragédie et la douleur. Le convoi peut repartir, mais la Gaule est encore loin. Le convoi de ces mercenaires gaulois approche. Son trésor sera bientôt à nous. Mon plan est infaillible, cher Marcus. Il n'y a que deux chemins possibles. Si les Gaulois passent par ici, ils auront affaire au fort que tu diriges, Marcus. Mais ils peuvent aussi passer par le col. Bien sûr qu'ils le peuvent, mais alors, ils auront affaire aux barbares que j'ai postés là. Nous sommes donc supérieurs en nombre, nous allons les écraser. Gaius, ton plan est magistral. À l'heure qu'il est, les Gaulois doivent avoir trouvé le pantin. Buvons à notre future victoire. Regarde, Alix. On dirait un avertissement. Oh. Tu as vu juste, Iorus. Si vous ne cédez pas, vous subirez tous le même sort. Un avertissement, hein? Du calme, Iorus. Ils nous avertissent, c'est déjà ça. Tu ne vois pas, Alix? Une armure romaine avec une défroque barbare. Ces traîtres sont toujours liés. Ils veulent toujours nous dérober notre trésor. Voilà nos éclaireurs. Ils nous diront si la menace est réelle. Voilà une heure qu'ils discutent. On dirait qu'il y a un problème. Quoi? Quel problème? Je ne sais pas, Valérus, mais... Regardez, ils se serrent la main. Je crois que nous allons enfin savoir ce qui se passe. Iorus. Pourquoi croyez-vous que ces Romains se lient avec des barbares? C'est évidemment pour nous attaquer et s'emparer de votre or. Alors bien sûr, nous pourrions nous battre, bien sûr. Mais qu'avons-nous à y gagner? Ils sont nombreux et la plupart d'entre nous mourront. Oui. Nos vies sont bien plus précieuses que tout le métal qu'il y a là-dedans. Alors j'ai pris une décision, la meilleure qui soit. Nous allons donner notre or aux Romains. Ayez confiance en moi, Iorus, votre tribun. Je vous ferai récupérer au centuple ce que nous sacrifions maintenant. Non! Mon or, je veux ma part! Ça suffit, Patrick! Oui, Iorus. Iorus, tu me le paieras. J'ai entendu Valérus. Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien, rien, je l'ai juste effrayé. Regarde-moi ça, dis donc, un chariot. Attends, Alix, on va les humilier, ces traîtres de Romains. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? L'or, ce sont les Gaulois. Ils sont fous. Ils abandonnent leur or. Vous vouliez notre or. Le voilà. Prenez tout. Et voilà, Alix. Ils vont en avoir pour des heures à tout ramasser. Bon, ça suffit. On rentre. Non, attends.
regarde. De l'or. De l'or. De l'or. De l'or. Regarde, Alix. Regarde-les comme ils se traînent dans la boue. L'or fait perdre la raison. De l'or. On est riches. Que toi, Iorus, vous soyez redevenus amis. Oui, Ariela. Iorus sait être raisonnable quand il le faut. Il m'a défiguré. J'ai perdu mon or. Pour moi, Iorus n'est qu'un fou dangereux. Je comprends que tu lui en veuilles, mais le convoi est libre de passer maintenant. Et surtout, il n'y aura pas mort d'homme. Alix ! Alix ! Alix ! Il se passe quelque chose. Iorus a réuni tous ses hommes en haut de la montagne. Restez là. Allez, viens! Nous allons attaquer ces barbares. Nous n'avons plus d'or, mais nous aurons les fourrures et leur nourriture. Tu as défiguré mon écuyer et tu m'as menti. Dès le début, tu avais prévu de t'attaquer aux barbares. Mais bien sûr, tu veux que mes hommes repartent les mains vides? Il faut qu'on donne l'assaut à ces barbares. On va semer la terreur. L'attaque va être fulgurante. Et je serai le maître du terrain. Je serai le plus fort. Dans le piège. Vite! Le campement est en danger. Les barbares! Les barbares! Est-ce qu'il est non, Alix. Mort? Il respire. Ils vont tous nous massacrer. Iorus, enfin! Ils s'enfuient! Toujours. L'ennemi est stupide et je suis un génie. Regardez, il y en a pour une fortune. Et là, de la nourriture, tout plein de nourriture. Alix, je ne comprends plus. Iorus n'est plus le même qu'avant. Ariela a raison. Iorus est fou, mais il est resté digne. Ah, Alix, tu viens me féliciter de cette victoire? Te féliciter? De quoi? De ce massacre? Enak? Hein? Il a été gravement blessé. C'est ta faute, tu as... Comment oses-tu? La guerre, c'est la guerre. Moi aussi, j'ai perdu un ami. Mon meilleur ami, Ortalus.
Tu appelles cela la guerre? C'est un simulacre de guerre. C'est parfaitement indigne de ton uniforme. En voilà assez. Tais-toi. Ce que j'ai fait est indigne de mon uniforme, dis-tu? Eh bien, je renie aujourd'hui même mon serment de fidélité à Rome. Désormais, je redeviens simple chef gaulois. Ya! Et que faites-vous? Vous n'allez pas écouter Stryben? Silence! Stupide palefrenier! Yorus est notre chef. S'il renie Rome, nous le suivrons. Ouais. Partout, ouais. Cela fait bientôt un mois, Alix. Enak va mieux. Beaucoup mieux. Je te remercie, Ariella. Sans tes soins. Oh, hola! Pourquoi s'arrête-t-on? Oh! Parfait. L'endroit est idéal. Voilà une torche, Yorus. Bien. Allons-y. Un trône. J'ai un trône. Mais où est ma couronne? Yorus, tu es le plus formidable des chefs. Yorus, veux-tu qu'on te nomme général? Général? Non. J'aspire à une récompense bien plus haute, oui. Je l'admirais tellement. Je veux dire, avant ce voyage de retour, avant que tu n'arrives. Je comprends, Ariella. Alix! Ariella! Sa Majesté Yorix vous invite à venir fêter son couronnement. Yorix? Il a repris son nom gaulois. Vive Yorix! Venez, mes amis, soyez les bienvenus. Yorus, fais cesser cette mascarade immédiatement. Mascarade, tu dis? Mais on m'a nommé roi, n'est-ce pas, mes loyaux sujets? Oui, Yorus, oui, Yorus. Allons, retire tes paroles et viens festoyer à ma gloire. C'est hors de question. Je reviendrai quand tu seras redescendu sur Terre. Restez ici. C'est un ordre de votre roi. Je te l'ai déjà dit. Je ne reçois plus d'ordre de toi. Tes bouffonneries ne me font pas rire. Tais-toi! 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 Lâche-moi! Alix! Très bien, Alix! Tu veux m'humilier? Tu n'as cessé de vouloir me prendre tout ce qui me revient. Tu me fais mal, Yorus. Mais tu ne me prendras pas une dernière chose. Non. Et tu sais pourquoi? Car je vais la prendre moi-même. Qu'es-tu allé faire avec ce prétentieux, hein? Ce protégé de César? Qu'est-ce que tu croyais faire, hein? Arrête, Yorus. Je te tuerai, Alix. J'étais un bon guerrier, j'étais un bon chef, un homme sans reproche. Je te tuerai de mes mains! Non. Allons, viens, c'est fini. Laisse-moi, laisse-moi. Je t'attends à la sortie de la grotte, Ariella. Ariella, non. Ariella, je ne voulais pas... Ne me touche pas! La Gaule! La Gaule! Alix? Notre voyage se termine? Oui.
nous nous arrêterons à la première cité gallo-romaine. Un pont, on va pouvoir traverser le ravin. Je suis Yorix, roi de la Gaule. Nous voulons franchir ce ravin. Des bandits! Des bandits! Voilà un Romain qui se moque de votre roi. Non, pitié! Je suis ingénieur! Je vous serai utile! Je bâtirai tout ce que vous voudrez! Silence! Il n'y aura pas de savant dans mon royaume de guerriers! Jetez-le dans le vide! Non! Non! Arrêtez! Oh non, Alix, non! Il est mort! Il s'est tué à cause de toi, Yorus! Mais quand vas-tu arrêter? Tu veux d'autres victimes? Moi, je vais me jeter dans le vide! Ariella, non! Tu ne dois pas t'inquiéter! Je vais le ramener, Ariella! Attends! Yorus! Oh Je dois te remercier, Yorus. Mais que faire de tes remerciements, Alix? Sache que je te garde en vie jusqu'à notre arrivée. Et là, je te tuerai en combat singulier. Mais... Yorus... Je suis Yorix, votre compatriote. Ouvrez! Nous allons vous délivrer des Romains. Écoute-moi, étranger. Nous sommes libres et vivons en paix avec les Romains. Passe ton chemin, qui que tu sois. Vous entendez? On insulte votre roi. Quiconque s'oppose aux volontés du roi est notre ennemi. Suivez-moi. Oh! Eh bien, qu'attendez-vous? Vous obéissez à votre roi? Mais... Majesté, ce sont des Gaulois. Ce sont nos frères. Ah, jeune homme, grand généraux, les 10 premiers à me suivre. Venez, ils ne sont que 3. Mais... Ah oh. Allons, aidez donc votre roi au lieu de me regarder. Pauvre Yorix. Où est donc passé le grand tribun Yorus de la 7e Légion? Où est passé le courageux officier capable de grandeur? Allons, Yorus. Il en est encore temps. Redeviens raisonnable. Silence! Silence! Mais faites-le taire! Tuez-le! C'est moi, Yorix, votre roi, qui vous l'ordonne! Je suis votre roi! Non! Comment peux-tu être notre roi, Yorix? Tu n'as soif que de sang. Tu n'es qu'un fou! Ouvrez les yeux! Oui, il a été le plus grand des chefs, oui! Mais ce temps-là est terminé! Je vais te tuer, stupide palefrenier! Très bien, Alix. Nous sommes en Gaule. Le moment est venu de te tuer. Tu voulais un affrontement? Soit. Valérus a raison. Yorus est devenu fou. Alix, attrape.
Finissez-en avec lui maintenant. C'est terminé, Yorus. Tu es déchu. Alix, ça va? Tout va bien. Il n'est pas blessé, ça va. Soldats, écoutez-moi. Non, il faut arrêter ça. Tu veux dire qu'ils vont le tuer? Soldats, vous m'avez élu. Je vous mènerai à la gloire. On ne veut plus entendre tes promesses, Yorix. Soldats, fidèles soldats, nous avons combattu ensemble. Je vous ai toujours soutenu. Silence, pauvre fou. Silence, silence. Vite, Alix, fais quelque chose, ils vont l'assassiner. Valérus, arrête, ça ne sert à rien. Laisse-nous, Alix, cela ne te concerne pas. Pousse-toi, Alix, ou je vais devoir te tuer. Vous n'avez pas à faire justice vous-même. Arrête, Yorix, viens. Viens avec moi. Quoi? Je t'ai déjà humilié. Ça ne t'a pas suffi. Tu veux mourir avec moi, peut-être? Yorix, relâche-la et viens, avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard? Tu me parles de trop tard? Allez-y! Tuez-moi, tuez votre roi! Mais je vous maudis! Et je maudis vos enfants! Je maudis toute votre descendance! Jusqu'à la fin des temps! Ils l'ont tué. Et je n'ai rien pu faire, rien pu faire. Et Alix non plus. Tout est allé si vite. Comment ont-ils pu faire une chose aussi terrifiante? Yorus ne méritait pas cette mort. Mais il avait trop d'ambition, trop d'orgueil, beaucoup trop pour ses compagnons. Viens, Ariella. Pour le moment, le voyage est terminé.